Bonjour, je m'appelle Célina Carbeau, j'habite à la ferme de Tournemire à Artigate, dans le département de l'Ariège. Je m'occupe de 12 hectares, mais en tout, il y a 42 hectares sur Tournemire. J'ai 25 chèvres, j'ai aussi 3 vaches, dont 2 en lait, et je produis du fromage de chèvre et de vache. J'ai aussi un cochon qui me sert à la viande, malheureusement pour lui, mais aussi à transformer le petit lait, un poney et un petit âne pour nettoyer derrière les chèvres et les vaches. J'ai des poules pour nous. Pour nos œufs, pour de la viande aussi, mais également pour aérer les sols, chasser les serpents. J'ai repris cette ferme donc en début 2017 pour pouvoir m'occuper de mes enfants à la maison. Je travaillais dans la restauration auparavant. On a repris derrière ma mère et cette ferme, c'est vraiment une ferme, c'est pas une exploitation agricole. Je suis paysanne comme mes parents, ils m'ont vraiment transmis le virus. Je m'occupe toute seule de cette petite ferme dans un mode à l'ancienne. Ça veut dire que je traie à la main avec une nourriture pour mes animaux qui vient d'ici. Donc le foin est fait ici à base de toutes nos prairies naturelles. Je ne cherche pas à être labellisée bio. Peu de gens le comprennent, mais pour moi le bio de nos jours est devenu vraiment une étiquette. Donc je me dépatouille toute seule en faisant au plus près de la nature avec le respect de l'animal, de la terre. Et de l'humain aussi, je pense que c'est le plus important. Donc le fromage de chèvre est la principale production de la ferme. C'est elle qui nous fait vivre au niveau des finances. Mais après, il y a les vaches, la viande aussi, les veaux, des bœufs, des génisses et des cochons. C'est vendu aux clients qui apprécient énormément cette production à l'ancienne. On a une qualité de viande qu'on ne trouve plus vraiment dans le commerce. J'aime bien le contact avec les clients. Donc je vais quand même une fois vendre mon fromage en direct sur le marché du Mas d'Asile. Et sinon, pour le reste, je fais l'épicerie d'Artigate. J'ai un restaurant et après, on a un système de vente à la maison. Donc c'est un libre service, les gens viennent se servir. Mon métier, c'est pas un seul métier. Paysan, ça regroupe tellement de choses. On peut que être passionné pour faire ce métier. Moi, j'aime la nature. Mais encore plus Tournemire. Ce n'est pas une terre, c'est plus que ça. Les chèvres et les vaches, c'est mes associés. Tout le monde est respecté de sa naissance jusqu'à sa mort. C'est ça, pour moi, l'agriculture. Et ça devrait être l'agriculture de demain.